Alors aujourd'hui, c'est la deuxième ère de lavage des pulvérisateurs pour le monde agricole et viticole du Narbonnais. On a des mesures agro-environnementales draconiennes en viticulture et en agriculture et on nous demande de faire des efforts au niveau de la pulvérisation mais aussi au niveau du nettoyage des pulvérisateurs. On fait cette inauguration déjà dans le cadre de la semaine du développement durable. Il faut savoir que c'est des aires qui coûtent extrêmement cher et que les viticulteurs et les agriculteurs n'ont pas la possibilité de les faire sur les exploitations. Aujourd'hui, avec les aides du FEADER, l'agence de l'eau et l'investissement de la ville de Narbonne, on est arrivé à faire ces deux aires. Il y a un coût sur ces terres de 160 000 euros. Les deux aires assemblées, ça fait plus de 300 000 euros.